Bonjour à toutes et à tous, bonjour Denis. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue pour cette seconde journée du printemps de l'orientation. On se retrouve toujours en direct de Pessac à Cap Métier et surtout en direct de cette Web TV encore aujourd'hui jusqu'à 20h pour décortiquer tous ensemble l'orientation professionnelle, aujourd'hui axée sur la première. Oui, hier c'était la seconde dans tous azimuts et aujourd'hui ça sera vraiment la première et puis comme ça on va avancer et ça se terminera demain en beauté on l'espère, mais c'est vrai qu'aujourd'hui une journée encore très riche Pauline. Exactement, et pour justement cette première table ronde, nous accueillons, comme vous le voyez, nos invités. Sur ma droite sont avec nous Delphine Nibaudeau, proviseur de CGP Angoulême, CGPE. Bonjour Delphine. À côté de vous, il y a Olivier Auroy, CFA académique de Limoges. Bonjour Olivier. Et à côté, Isabelle Blanchard, directrice adjointe LECTA de Blanquefort. Bonjour, bonjour Isabelle. Et puis sur le côté gauche, nous avons Perrine Baumann, responsable d'admission Sciences Po à Bordeaux. Bonjour. Nous avons également Joël Fartouat, qui est enseignant à l'UIT de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Et puis Céline Oyon. Voilà, pardon, Céline. Bonjour. Vous êtes de la mission appui orientation Université de Bordeaux. Bonjour, désolé pour ce retard à l'allumage. Alors, on va parler justement des formations. On va peut-être débuter, je disais le sigle tout à l'heure, CGPE. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Delphine, s'il vous plaît ?
CPGE. CPGE. Les classes préparatoires aux grandes écoles. Exactement. Alors, il y en a de différents types. Celle que je propose à Agathe de Balzac est une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, celle qu'on appelle Hippocagne pour la première année et Cagne en deuxième année. Mais vous en avez également qui sont économiques et commerciales, par exemple, et également des classes préparatoires scientifiques dans deux grands domaines, on va dire maths, physique ou alors plutôt sciences nat, les fameuses agro qu'on appelait à une certaine époque. Alors justement, plus précisément, puisque vous l'avez évoqué, Cagne, Hippocagne, est-ce que vous pouvez nous parler de cette classe préparatoire particulière et surtout pourquoi finalement on passe par cette classe-là ? Alors je crois qu'on peut passer par la prépa littéraire parce que c'est un bel atout pour retarder peut-être le choix de spécialisation qu'on va avoir ensuite dans l'enseignement supérieur, puisque cette prépa littéraire est généraliste encore. Donc on pratique encore toutes les disciplines, le français, l'histoire, la géographie, elles sont séparées puisque ce sont deux enseignements vraiment distincts, la philosophie, les langues vivantes, les langues anciennes sont également offertes. Et pour Gaze, nous proposons une spécialité cinéma qui fait un petit peu sa renommée et qui est dans la continuité finalement de l'offre de formation d'Angoulême puisque nous avons à côté de Gaze le LISA, le lycée de l'image et du son, mais qu'Angoulême est également connu pour son pôle image avec des écoles comme, et des regroupements d'écoles comme Magélis. C'est intéressant parce que je crois que d'abord on est dans la continuité du lycée. La classe préparatoire aux grandes écoles continue d'offrir l'encadrement que l'on connaît, qui nous est familier dans toutes nos études secondaires. Donc il y a une grande proximité entre les enseignants et les étudiants. C'est un type d'étude qui offre des méthodes de travail qui vous accompagnent ensuite toute votre vie. Quand on est passé par là, c'est vrai qu'on s'est travaillé énormément, travaillé avec méthode, rigueur. Non que les autres formations n'offrent pas cette rigueur-là, mais je crois que c'est un petit peu accentué parce qu'on a un rythme un petit peu fou pour préparer les concours justement de ces grandes écoles qui sont vraiment diverses aujourd'hui. À une époque, la mienne, les prépas littéraires n'offraient que les entrées sur les écoles normales supérieures. À l'époque, c'était Ulm et Saint-Cloud. Aujourd'hui, avec les banques d'épreuves littéraires, finalement, on ouvre à tout un tas d'écoles, que ce soit de traduction, d'interprétariat, de journalisme, Sciences Po. C'est vraiment, vraiment ouvert et beaucoup plus large que les gens ne l'imaginent au départ. Est-ce qu'il y a une concurrence, pardon, entre toutes les grandes écoles, justement, pour essayer d'attirer à elles les meilleurs étudiants ? Enfin, comment ça se passe, en fait ? Est-ce que vous le percevez ou, voilà, comment ça se déroule ? Alors, vous parlez du recrutement en prépa, oui, ou dans les grandes écoles ? Oui. En prépa. Alors, nos étudiants, ils passent par Parcoursup. Hein, en terminale, ils font des vœux. Donc, ils nous choisissent. On leur répond sur Parcoursup. Nous recrutons. Évidemment, toutes les prépas sont différentes, ont une culture qui leur est propre, ont des capacités d'intégration dans les écoles supérieures diverses et on fait son choix en connaissance de cause. Celle de Gaze est plutôt, c'est ainsi que les professeurs du lycée la présentent, une prépa familiale parce que c'est la seule que nous avons dans cet établissement. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec l'étudiante qui m'accompagne aujourd'hui. Ce qu'elle apprécie, c'est cet encadrement et ce lien particulier qu'elle peut avoir avec l'équipe de professeurs. Voilà. Justement, vous parliez de la rigueur, vous parliez aussi du rythme. Quel est l'avantage finalement de faire une prépa en plus de cela ? De s'ouvrir, d'acquérir une culture générale dont on a besoin après, quel que soit le métier qu'on exerce. C'est intéressant quand vous avez cette curiosité. Puis encore une fois, je crois, on découvre dans le supérieur ce que sont les différentes disciplines qui nous ont été enseignées au secondaire. Et on va pouvoir faire un vrai choix si on continue après à l'université, qu'on n'a pas été pris dans une école, mais en toute connaissance de cause. Donc nous offrons donc une prépa qui prépare plutôt à l'ENS Lyon. Ce concours propose un programme chaque année dans chacune des disciplines et c'est comme cela qu'on trie après les élèves qui vont pouvoir y entrer ou pas. Et on prépare également les élèves à d'autres concours. Donc on propose des petits modules particuliers pour ceux qui ont ces velléités-là. Ça leur permet d'avoir une année un petit peu justement de préparation pour le coup, d'être plus tranquille et surtout plus sûr finalement aussi de son orientation. Tout à fait. Deux années. Deux années. Deux années, voilà. Delphine, justement, est-ce que vous pouvez également nous parler, vous, en tant que proviseur, Isabelle, directrice adjointe de l'ECTA Blanquefort, de ces classes préparatoires ?
Alors oui, la classe préparatoire que nous proposons dans l'enseignement agricole est une classe préparatoire spécifique en une année qui s'appelle ATS Bio, Adaptation Technicien Supérieur. Elle est dédiée principalement aux étudiants qui ont déjà un BTS de l'enseignement agricole. Les BTS de l'enseignement agricole sont aussi divers et variés dans divers champs. Ils peuvent concerner la production animale, l'aménagement paysager, la viticulture, l'œnologie, l'analyse biologique et biotechnologique. En fait, cette classe préparatoire prépare au concours spécifique d'ingénieur agronome et de vétérinaire en une année. Les étudiants qui arrivent dans cette classe préparatoire ont déjà fait un choix, hein. Ce sera soit ingénieur, soit vétérinaire. C'est le concours qui est dénommé de la voie C. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est un concours, bien sûr, national. Ces classes préparatoires, il n'y en a que 12 en France. Ce sont des classes préparatoires, effectivement, à taille humaine. Il y a une trentaine d'étudiants hein, par école. On va préparer plutôt au concours dans les disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, biologie, mais aussi beaucoup de culture générale et surtout l'anglais. Ça c'est vraiment ce qui fait la différence au concours et surtout dans le classement parce que les élèves qui arrivent en classe prépa ont tous un niveau remarquable on peut le qualifier ainsi et c'est vraiment l'anglais qui fait la différence. Donc on conseille à ces étudiants qui arrivent en classe prépa de faire des stages à l'étranger dans les pays anglophones pour vraiment être quasi bilingue. Alors on leur offre une opportunité dans notre établissement, c'est de préparer cette entrée en classe préparatoire dès la deuxième année de BTS. On a mis en place pour la rentrée 2021 des cours de mise à niveau. Ils pourront choisir différents parcours au niveau scientifique, mathématiques, physique, chimie, biologie. On les préparera aussi à l'oral, à la culture générale, bien sûr. Et cela en même temps que la deuxième année et avec des cours ouverts à distance. Donc ça pourra concerner tous les jeunes de la Nouvelle-Aquitaine. C'est d'ailleurs un dispositif qui est cofinancé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le Conseil régional. Donc c'est important que chaque étudiant qui est vraiment motivé puisse participer à ce dispositif. Hein. La sélection se fait par les établissements hein, en fonction de la motivation et de la capacité à poursuivre à la fois une deuxième année de BTS et à se préparer à rentrer en classe préparatoire ATS Bio. Il y a également un deuxième volet que nous proposons à nos étudiants. C'est une préformation, toujours sur le même système, des cours à distance, avec des regroupements sur notre site. Et là, on les prépare plus au concours d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage. Voilà, donc chaque année, c'est à peu près une quarantaine de jeunes de Nouvelle-Aquitaine qui se préparent soit au concours d'ingénieur par la voie de l'apprentissage et qui vont se préparer à l'entrée en classe préparatoire ATS Bio pour les autres. Et donc ils le font en fait en plus en direct de chez eux au rythme qu'ils le souhaitent. Alors en direct de chez eux ou de l'école, du lycée, oui. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, réussir en classe préparatoire, c'est comme l'a dit ma collègue, avoir vraiment une capacité de travail, c'est très important ça, mais aussi du mental, voilà. C'est important. La curiosité aussi. C'est important, oui. La curiosité également, et la curiosité sur le monde, évidemment. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, et je voudrais insister sur l'anglais, hein, il faut vraiment aller vers le niveau TOEIC, et dans cette préformation, nous allons essayer de les accompagner vers ce niveau TOEIC. Voilà. Une question peut-être maintenant, on va aller un peu sur notre gauche, à Perrine Beaumann, responsable admission Sciences Po à Bordeaux. Est-ce que, notamment, Sciences Po continue d'être un aimant, beaucoup de jeunes qui veulent venir, ça ne se dément pas toujours autant d'intérêt de la part des jeunes ou pas? Alors ça ne se dément pas et ça ne se dément vraiment pas pour la session 2021, effectivement. On a plusieurs voies d'entrée à Sciences Po Bordeaux. On a la première année qui est notre voie d'entrée majoritaire, la troisième année et la quatrième année. Et pour tous les niveaux d'entrée, effectivement, on attire toujours un nombre de candidats assez impressionnant.
si je puis dire ainsi. C'est-à-dire on peut avoir un ordre d'idée ? Ah oui, vous pouvez avoir un ordre d'idée. Par exemple, en première année, nous avons 275 places pour ce qu'on appelle le cursus général et nous avons près de 7000 candidatures. Ah oui. Voilà. En troisième et en quatrième année, nous proposons un petit peu moins de places, plutôt une quarantaine, et on oscille entre 600 et 700 candidatures. Donc ça reste une formation qui reste très sélective. Pour l'entrée en première année, depuis l'an passé, l'ensemble des instituts d'études politiques sont sur Parcoursup, ce qui nous permet aussi d'avoir une plus grande visibilité auprès des étudiants, et ce qui explique aussi ce regain d'attrait pour Sciences Po Bordeaux. Avec, je pense qu'on va avoir normalement, on devait avoir l'adresse. L'adresse, exactement, voilà, l'adresse Sciences de Sciences Po Bordeaux. Effectivement, un URL, oui, de présentation. Donc, je suppose qu'il va apparaître sur l'URL de présentation. On avait mis en place donc une journée porte ouverte virtuelle compte tenu du contexte sanitaire où on a mis en ligne des vidéos de présentation de notre formation, aussi bien nos formations à l'international que nos masters. Et on a aussi mis en place, enfin on a filmé la journée porte ouverte, une intervention qu'on avait faite avec le directeur. Et on a aussi une visite virtuelle de l'établissement, ce qui permet aux futurs étudiants de visiter l'ensemble de l'établissement comme s'ils étaient à l'intérieur. Alors pour en revenir à ce choix, ça paraît énorme, 7000 candidats pour un tout petit nombre finalement. Quels sont les critères de choix et de sélection? Ça doit être quand même assez drastique, non? Alors, on opère en deux phases. Donc on a deux voies d'entrée en première année. On a ce qu'on appelle le cursus général avec 275 places et les filières intégrées binationales. Les filières intégrées binationales, ça permet d'avoir le diplôme et de Sciences Po Bordeaux et de l'université partenaire. Donc c'est un double diplôme qu'on a avec un certain nombre d'universités partenaires à l'international. Donc là, les places sont aussi entre 5 et 12, avec un nombre de candidatures qui est variable selon les filières. Donc on opère en deux phases. On a une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité, elle va prendre en compte les notes dans un certain nombre de matières, donc c'est les notes de première et de terminale. D'où l'importance, dès la première, de consolider son dossier scolaire. Donc là, on prend les notes en LV1, LV2, français, histoire géo, philosophie, enseignement de spécialité. Et ça va nous permettre de déterminer une liste de candidats admissibles. Les admissibles, on va opérer également avec deux épreuves, une étude du dossier qui sera déposée sur Parcoursup, mais plutôt sur la base remarques des enseignants, bulletins, mais dans les matières qui ne sont pas prises en compte pour l'admissibilité, l'équivalent CV et lettre de motivation sur Parcoursup, et on prévoit également un entretien oral de 20 minutes dont le but est de déterminer la motivation du candidat à entrer à Sciences Po Bordeaux. Donc la première, c'est vraiment une rampe de lancement, quoi. Il faut vraiment Absolument. Pas la rater. Il faut dès la première consolider effectivement le dossier scolaire pour garantir ses chances d'entrée, notamment à Sciences Po Bordeaux. Comment vous expliquez d'ailleurs, vous le disiez, il y a quand même très peu de place par rapport au nombre de candidatures que vous Absolument. Recevez. Comment vous expliquez justement cet immense nombre de candidatures qui sont présentées chaque année? Alors comment on l'explique? C'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, je dois dire... Alors, elle peut s'expliquer en plusieurs points. Déjà, c'est une formation en 5 ans assez généraliste qui permet un nombre de débouchés qui sont quand même assez conséquents et divers. On a à peu près un tiers de nos étudiants qui s'orientent plutôt vers l'administration, la fonction publique, un tiers vers les métiers du privé, banque, finance. Et on a aussi ce qu'on appelle une orientation vers les tiers métiers, donc plutôt les associations, les organisations non gouvernementales. Donc c'est vrai que la diversité des débouchés explique aussi cet attrait. Après, c'est une formation qui est généraliste et qui permet en fait d'acquérir des connaissances sur un certain nombre de domaines. Et c'est aussi une formation qui est ouverte à l'international. Vous avez une deuxième année qui est une année de mobilité, qui se fait dans 95% des cas à l'international. Vous avez également des possibilités de ce qu'on appelle des césures, donc c'est des interruptions d'études, mais rattachées à Sciences Po Bordeaux, qui vous permettent d'aller à l'international. Et ça reste quand même une formation qui est orientée vers le monde professionnel avec des stages obligatoires. À côté de vous, Joël Fartois de EUT. Vous aussi, vous avez beaucoup de monde qui essaye de venir, peut-être un peu moins. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, les chiffres sont peut-être similaires, je ne sais pas. Oh ben, il faut compter à peu près entre 6 et 10 candidatures pour une place, en moyenne, sur les différentes spécialités, en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de spécialités, entre les spécialités dites liées à la production et les spécialités dites au service, au tertiaire. Mais avec c'est le même cas de figure, il faut quand même assurer dès la première quand même des bons résultats. C'est un petit peu différent. Je crois qu'il faut assurer effectivement dès la première, mais ce qui est surtout important, c'est d'asseoir dès la première, même dès la seconde, un bagage, je vais dire scientifique, un bagage de raisonnement
et d'engagement plus que simplement des résultats sommatifs en termes de notes. Sur ma droite, nous avons Olivier Auroy. Vous êtes, du coup, vous venez du CFA académique de Limoges. Est-ce que vous pouvez nous parler finalement des formations davantage apprentissage et BTS ? Oui, bien sûr. Donc le CFA académique de l'Académie de Limoges prépare par définition à des formations en apprentissage. Alors il faut le savoir aujourd'hui, l'apprentissage est dans une phase d'expansion, puisqu'au plan national, on voit le nombre d'apprentis avancer de manière significative. Dans l'Académie de Limoges, c'est plus 20% l'année dernière et plus 20% cette année. Et notamment sur les BTS, où aujourd'hui, on voit beaucoup de BTS qui peuvent se préparer en apprentissage. Vous avez justement, quand on est en apprentissage, finalement, on a une idée extrêmement plus précise de ce qu'on souhaite faire. Vous avez justement ce sentiment que les élèves sont beaucoup plus renseignés, beaucoup mieux orientés. Oui, parce que de manière évidente, pour qu'un apprentissage marche, il faut avoir un employeur et un employeur dans un secteur d'activité. Donc par définition, les jeunes qui s'engagent dans ces voies sont forcément des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire, qui sont extrêmement renseignés sur les modalités de formation et qui candidatent sur des formations en apprentissage diverses et variées. Aujourd'hui, à la carte des formations du CFA académique dans notre académie à Limoges, mais on voit que beaucoup de BTS s'ouvrent à l'apprentissage, qui sont des BTS qualifiants en 2 ans évidemment et qui amènent à un diplôme qui est effectivement spécialisé, oui. Et comme pour les grandes écoles, vous sentez aussi un attrait vraiment qui est croissant de la part des jeunes, parce que très longtemps l'apprentissage a quand même été un petit peu, voilà, pas critiqué, mais bon, il n'y a pas forcément une bonne image. Là, on a l'impression que c'est en train de changer. Vous sentez justement ce nouvel élan qui est en train de s'installer ? Oui, vous avez raison. Je le dis souvent, nous avons gagné la bataille des idées. Nous avons gagné la bataille des idées aussi par le supérieur, parce qu'aujourd'hui, un jeune peut préparer n'importe quel diplôme en apprentissage. Ça peut être ingénieur, ça peut être technicien supérieur. Donc on a gagné la bataille des idées. Donc aujourd'hui, être apprenti n'est plus être un sous-apprenant. Être apprenti est vraiment une voie de formation et une voie de formation de réussite à part entière. Et c'est vrai, on le voit bien, il y a un changement des mentalités et les chiffres l'attestent d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas une guerre entre justement les grandes écoles et puis l'apprentissage, mais petit à petit, voilà, il y a un peu comme en Allemagne d'ailleurs, où c'est vraiment l'apprentissage est un peu dans les gènes, dans l'ADN, là c'est en train, chez nous aussi, de prendre forme, quoi. Oui, vous avez raison, je ne peux pas dire l'inverse. Qu'est-ce qui explique justement, vous le disiez, de plus en plus de jeunes sont intéressés par l'apprentissage, qu'est-ce qui explique justement cet attrait grandissant ? Je pense qu'il y a des besoins socio-économiques qui font que certains secteurs ont des besoins. Et à partir de là, ces secteurs se sont mobilisés aussi pour recruter des jeunes. Et je le disais tout à l'heure, pour qu'une formation en apprentissage marche, il faut un apprenti, il faut un centre de formation, mais il faut aussi une entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises sont en mouvement. L'apprentissage, c'est aussi un moyen de recruter sur long terme et d'avoir un projet de recrutement pour un jeune. Oui, justement, vous parliez de recrutement. Après le BTS, est-ce que vous avez beaucoup d'apprentis, justement, qui poursuivent leurs études, certainement encore en apprentissage, dans la même entreprise, ou est-ce qu'ils intègrent directement le milieu du travail à temps plein ? Alors, souvent, ils intègrent le milieu du travail à temps plein. N'empêche qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un flux aussi vers le supérieur en apprentissage. C'est-à-dire qu'après un BTS, des écoles d'ingénieurs, l'université aussi, permet de préparer un certain nombre de diplômes en apprentissage. En restant ou pas dans la même société, c'est vrai que les expériences sont multiples et variées de ce côté-là. Parmi nous, Céline Oyon, on n'a pas entendu, Mission Appui Orientation, Université de Bordeaux. Rebonjour. Bonjour. Donc vous, votre rôle exact, votre mission, c'est justement d'orienter tous ces jeunes vers les grandes écoles ou vers peut-être autre chose. Alors, au sein de chaque université, il y a un service universitaire d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc nous, à l'Université de Bordeaux, on l'a un peu organisé de façon centrale et sur les sites, puisque vous savez que l'Université de Bordeaux est immense, nous avons de nombreux campus et il faut donc pouvoir organiser ça au plus près des étudiants. Et donc oui, nous sommes là pour conseiller les étudiants, pour les aider à construire leur parcours, mais également les lycéens, puisque nous sommes aussi nous faisons aussi de l'information sur les salons, etc. Oui, c'est un service qui est là au service à la fois des lycéens et des étudiants. On a l'habitude de dire que nous travaillons avec un public qui va de bac-3 à bac+3, c'est la logique, hein, sachant que l'université délivre des diplômes jusqu'à bac+8.
Et donc, vous devez répondre, j'imagine, à tout un lot de questions sur leur futur. Alors, énormément de questions. Pour tout ce qui est lycéen, on a beaucoup les questions. Je voudrais faire ce métier, qu'est-ce que je peux faire comme formation à l'université? Et surtout, ce qui intéresse souvent les lycéens très tôt, c'est qu'est-ce que je dois choisir comme spécialité, puisque cette réforme du bac est venue un peu perturber les habitudes que l'on avait. Hein, voilà. Sûr même que ça semait un peu le trouble chez certains qui ne comprenaient pas tout. Alors, ça a pu semer le trouble, j'ai l'impression, beaucoup chez les parents qui ont perdu un peu les repères en se disant « mon enfant fera un bac S parce que je sais que ce sont les bacs qui réussissent le mieux ». Ce sont des clichés qu'il faut aujourd'hui, passer outre. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout faire avec toute formation. Il faut quand même réfléchir son projet, mais il faut le concevoir déjà depuis la base et essayer de construire un projet. Donc on cherche à travailler beaucoup avec les professeurs principaux. Hein. Je pense que tous mes collègues qui sont là ont aussi cette problématique, pour pouvoir discuter avec eux, pour faire passer les messages aux lycéens, en tout cas sur ce qu'est l'université, ce qu'elle peut amener, ce qu'elle peut proposer. Et est-ce qu'ils idéalisent un petit peu justement les parcours dans les grandes écoles ou en apprentissage, enfin, comment ils voient les choses vraiment de façon concrète, ou c'est un petit peu fantasmé tout ça? Et vous je leur dis en attention, ça ne passe pas forcément comme ça. Alors c'est vrai qu'on a besoin de casser quelques codes. Alors en ce qui concerne l'université, c'est souvent celle qui est la moins bien perçue par les parents et par les étudiants, à côté des grandes écoles ou de Sciences Po, etc. Et donc, on a besoin de leur montrer que l'université, c'est un endroit de formation extraordinaire, où ils auront énormément d'opportunités, mais qu'il va falloir qu'ils se construisent. Je pense que l'intérêt de l'université, c'est vraiment cette autonomie et ce choix immense. Mais il faut les guider, il faut les aider à construire leur choix. Voilà, donc oui, on a besoin de casser quelques codes et de dire à l'université, on suit les étudiants, on les encadre, on les aide. Voilà, ils ne sont pas lâchés complètement, comme certains parents ont très peur, sous prétexte qu'il n'y a plus de contrôle, de présence, etc. Mon fils ne sera plus encadré. Si, il y a toujours quand même ces dispositifs. Donc on est là aussi pour leur expliquer comment est organisée l'université, comment il faut travailler à l'université, etc. Joël, justement, qui est à côté, donc vous êtes enseignant à l'IUT de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous parler particulièrement de l'IUT dans lequel vous enseignez et des formations qui y sont présentées? J'ai bien peur que faire la liste, ma mémoire ne suive pas trop, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a sur l'IUT 4 sites. Un site sur Gradignan qui est plutôt sur des spécialités de type, qu'on va dire, technologique, avec génie mécanique et productique, sciences et génie des matériaux, hygiène, sécurité, environnement, informatique, mesures physiques, et je vais me faire gronder parce que j'en oublie. On a l'idée générale. Voilà. Et puis ensuite, il y a le site dit de Bastide, qui est donc Bordeaux-Bastide, où là, on est plus sur des disciplines dites services tertiaires, avec gestion des entreprises et des administrations, tech de co, gestion logistique et transport. On a un site à Périgueux, où là, il y a et du secondaire et du tertiaire, avec tech de co, carrière sociale, gestion urbaine, et puis biologie et génie des procédés. Et puis un site à Agen, qui est un site où il y a là uniquement deux départements, mais un tertiaire, un secondaire, un département secondaire qui est axé sur l'entreprise, l'organisation industrielle et la gestion, qui s'appelle qualité logistique industrielle et organisation, et un autre département sur la gestion administrative et commerciale des organisations. Donc plutôt les deux adressés vers la gestion et l'organisation de l'entreprise, en fait. Et c'est un maillage vraiment géographique qui est important, quoi. Tout à fait. Et c'est compliqué, justement. On parlait justement le fait que ça soit l'université, il y a vraiment des centres un peu partout. C'est un peu plus compliqué quand tout est éclaté, entre guillemets, comme ça. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à pouvoir faire des choses partagées, transverses entre les différents sites. Parce que la distance ne facilite pas la chose. Mais la crise sanitaire que l'on connaît et qui nous vaut d'être masqués a ouvert un certain nombre de pratiques et de pistes qui donnent aujourd'hui des possibilités de travail que l'on n'avait pas explorées jusque-là.
Alors ça, c'est un chapitre intéressant. On en a beaucoup parlé hier de cette situation sanitaire. Effectivement, on est tous masqués. Est-ce que ça crée le trouble ou est-ce que ça crée des nouvelles façons d'appréhender, par exemple, à Sciences Po? Est-ce que vous êtes forcément, vous aussi, concerné par tout ça, par ce nouveau climat, finalement, et c'est peut-être ces nouvelles aussi façons de travailler? Oui, effectivement, on est tous concernés. Donc on a forcément modifié notre façon de fonctionner, que ce soit administrativement au niveau des enseignements, avec des enseignements à distance, avec depuis peu le retour des étudiants en présentiel, mais de manière organisée en demi-groupe. Donc forcément, ça impacte. Après, il n'y a pas forcément c'est presque devenu une habitude, donc il n'y a pas forcément de drame autour de ça. Ça se passe plutôt bien et c'est vrai que ça permet d'explorer de nouvelles manières de fonctionner, ce qui est parfois une bonne chose. Même si ça a été, j'imagine, compliqué à mettre en place, non, au départ, parce que tout le monde... Il a fallu s'adapter rapidement. Oui, pour tout le monde, ça a été compliqué parce que ça a été très rapide. Donc ça, c'est propre à tout l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Mais ça permet aussi de voir qu'on a tous une capacité de résilience assez importante. Et ça permet de mettre en place de nouvelles choses qui est toujours très intéressante bien. À explorer. Intéressant, et pour absolument. Les, et pour les sélections, ça, est-ce que ça joue aussi ce climat sanitaire? Alors, là, du coup, ça a joué l'année dernière, mais c'était compte tenu du caractère un petit peu précipité des choses. On espère que cette année, ça ne jouera pas. Pour l'instant, nos modalités d'entrée ne sont pas affectées. Elles restent telles que prévues. L'an dernier, effectivement, on a dû annuler nos épreuves écrites, que ce soit pour l'entrée en troisième ou en quatrième année, et remplacer par une étude de dossier. En première année, on avait des épreuves orales qui ont également été annulées au profit d'une étude de dossier renforcée. Mais pour cette année, pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Et on reste tel qu'on avait prévu. Je vais vous dire quelque chose, je crois, non? Oui. En ce qui concerne le travail à distance, dans l'université, on a... Et à l'IUT et dans les filières classiques de l'université qui sont à caractère moins technologique au départ, ça a ouvert de nouvelles pratiques en termes d'acquisition de compétences. Ça veut dire que les jeunes sont dans une situation où ils sont obligés de créer le dialogue entre eux et le dialogue avec les enseignants d'une manière différente. Et ce changement de posture permet pour eux, comme pour nous, d'acquérir des compétences qu'on n'avait pas jusque-là en termes d'échange ou en termes d'organisation propre de notre travail. Et ça, personne n'aurait pu le prévoir, ça. C'est impossible. Non. Delphine, on parlait d'ailleurs tout à l'heure beaucoup de mental au travers des études. C'est vrai que là, le mental a été mis à rude épreuve aussi pour les étudiants. Alors, ça a surtout été le cas l'année dernière, puisque les étudiants ont, comme nous, dû vivre un confinement strict. En revanche, les choses ont été un petit peu différentes à la rentrée scolaire dernière, puisque nous avons eu la possibilité de garder nos étudiants de prépa, comme on a pu garder les BTS dans d'autres lycées. Et je crois que c'est quelque chose qu'ils ont pu apprécier, puisqu'ils ont pu continuer à venir en cours. Alors, ce qui est curieux, c'est que sur la partie secondaire, nous sommes passés à une hybridation de l'enseignement, sinon nous ne pouvons pas appliquer le protocole sanitaire, en particulier pour la restauration, mais on a gardé 100% de nos étudiants et je crois qu'ils vivent cette année beaucoup mieux que l'année dernière. L'année dernière, ils ont vraiment été amputés d'un morceau où au printemps, ils commencent à monter en puissance sur justement le travail qu'ils fournissent sur la production de leurs écrits et les choses se consolident. Et puis tout à coup, il a fallu s'arrêter. Mais comme ont pu l'indiquer les collègues, on s'est adapté. Voilà. Et ça a été, je crois, finalement une épreuve, mais l'occasion est aussi de se rendre compte que on pouvait apprendre autrement, on pouvait continuer à apprendre. Alors tout dépend évidemment des conditions d'hébergement que chaque étudiant pouvait avoir, mais je crois que ça s'est globalement bien passé, mais ils ont été très contents de revenir au lycée complètement. Oui. En présentiel, bien sûr. C'est important de dire aux étudiants qu'on trouve justement des solutions, on s'adapte. J'imagine également, Olivier, avec l'apprentissage, vous avez dû avoir pas mal de travail l'année dernière. Ben oui, parce que par définition, l'apprentissage, on travaille avec l'entreprise et les mesures qui ont impacté les entreprises ont forcément aussi impacté les centres de formation. Donc il a fallu être inventif. Il y a des secteurs comme l'hôtellerie, restauration qui ont souffert, qui continuent à souffrir et on trouve toujours des solutions pour nos jeunes. Donc on ne les laisse pas tomber. Voilà.
D'ailleurs, je vais vous poser la question, comment on fait, par exemple, un jeune qui fait de la cuisine? On sait l'importance, quand même, de voir un chef cuisiner avec le jeune. Comment ça se passe, en fait? C'est tout se fait par écran ou... Non, parce qu'il n'y a pas de stage en restaurant, là, j'imagine. Non, les plateaux techniques sont toujours ouverts dans les établissements scolaires et les jeunes peuvent pratiquer leur TP en établissement scolaire. On pratique également une mesure qui permet quand même à des jeunes d'aller dans d'autres entreprises lorsque leurs employeurs sont d'accord pour compléter évidemment leur formation. Parce que voilà, au niveau des restaurants, ils sont fermés. Donc, Pas tous. L'activité n'est pas fermée partout. Il y a des activités de lunchbox, etc., de livraison, qui font que, malgré tout, les employeurs sont très engagés aussi pour arriver à former leurs apprentis. Oui, c'est important justement de rassurer les étudiants qui souhaitent développer l'apprentissage, qu'il y a des solutions justement qui sont mises en place. Absolument, les solutions existent. On n'a pas laissé tomber un jeune l'année dernière. Et cette année, je vous l'annonce, on ne laissera pas tomber un jeune non plus. Et la motivation est toujours présente. Toujours. Alors justement, on parlait d'adaptation. Il a fallu s'adapter avec cette situation, notamment d'un point de vue digital. Cassandre Bag nous a rejoint pour nous parler du Campus Connecté. Bonjour Cassandre. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce projet? Qu'est-ce que le Campus Connecté? Alors, le Campus Connecté, c'est un dispositif qui est tout nouveau, qui est labellisé en fait par le ministère de l'Enseignement supérieur, en partenariat aussi avec le projet d'investissement d'avenir. Donc, les Campus Connectés sont des dispositifs qui permettent d'accompagner des étudiants qui sont en formation à distance. Et qui plus est, des étudiants en formation à distance dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'enseignement à distance se développe de plus en plus. On a beaucoup d'universités et d'établissements qui mettent à disposition des BTS, des licences, même des masters. Donc nous, notre mission, c'est justement de permettre aux étudiants qui sont dans les territoires type ville moyenne, petite ville, d'accéder à des formations post-bac depuis chez eux. Et donc après, ils viennent chez nous au Campus Connecté et ils bénéficient donc d'un accompagnement individuel et collectif. Alors concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer un Campus Connecté? Donc, on peut formuler ses voeux sur Parcoursup. Maintenant, il y a beaucoup de formations à distance qui sont disponibles sur Parcoursup. Il faut faire un vœu en ce sens. Et ensuite, on se rapproche du Campus Connecté qui nous intéresse. Vous voyez une carte derrière. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, on a pas mal de campus qui sont ouverts. En septembre prochain, on sera une quarantaine de sites labellisés. Donc c'est un maillage territorial, disons, autour des grandes métropoles universitaires. Chaque Campus Connecté est en partenariat avec une université de proximité. Donc, par exemple, au niveau de l'Aquitaine, le Campus Connecté de Mont-de-Marsan est en partenariat de proximité avec l'Université de Bordeaux. Donc ça nous permet de bénéficier d'une offre de services et de l'expertise, bien sûr, d'une université. Il faut savoir que chaque Campus Connecté est porté bien souvent par une collectivité territoriale. Donc on est vraiment sur un dispositif qui est hybride et tout nouveau. Voilà, c'est vraiment un partenariat entre les collectivités et l'enseignement supérieur. Et bien sûr, les acteurs locaux au niveau de l'orientation et des formations qui sont déjà présentes sur ces territoires. Alors, vous parliez justement de suivi, Cassandre. Comment ça se passe au niveau de ce suivi des étudiants plutôt? Oui, donc les étudiants sont inscrits dans leur formation, BTS, licence, master, et ils sont suivis par un tuteur, coach, qui va les accompagner au quotidien. Donc cet accompagnement, il est individuel. On les aide en début d'année à mettre en place un emploi du temps pour qu'ils puissent suivre leurs enseignements. On fait des points individuels à espacement régulier pour voir comment ils avancent. On peut les aider également dans de la méthode universitaire, recherche documentaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tutorat individuel. À côté de ça, il y a aussi un accompagnement qui est collectif pour permettre à ces jeunes de profiter de leur vie étudiante comme un étudiant qui serait dans une grande université ou voilà, une grande ville. Et est-ce qu'il y a parfois aussi des aides? Parce qu'on parle parfois de la fracture numérique, il y a parfois peut-être des jeunes qui n'ont pas de matériel. Vous aidez aussi par rapport à ça? Tout à fait, c'est très important, surtout pour la formation à distance. Les Campus Connectés mettent à disposition donc un lieu qui va être équipé spécialement pour suivre ces cours à distance. Donc ça peut être mise à disposition d'ordinateurs portables, de vidéoprojecteurs, de systèmes de visioconférence, de connexion bien sûr au débit pour suivre ces enseignements. Ça fait partie de l'accompagnement des Campus Connectés. On a quand même l'impression, globalement, que tout est connecté aujourd'hui. C'est un petit peu le... Ouais. Y compris aussi pour l'apprentissage aussi. Enfin, vraiment partout, c'est connecté, quoi.
Effectivement, c'est une nécessité. C'est les temps qui veulent ça. La crise nous a permis effectivement d'avancer aussi, il faut bien le dire. Mais aujourd'hui, il y a toujours une partie de la formation qui se fait à distance, et particulièrement en ce moment. Et est-ce qu'on peut imaginer un retour comme avant, en fait, dans le monde d'avant, avant tout ça, où finalement, vous le disiez, Joël, on s'est adapté. Voilà, c'est hors de question de revenir comme c'était auparavant. Comment vous voyez l'avenir ? On a, à mon avis, une obligation de retour à des pratiques comme avant, puisque quand il s'agit de développer de la compétence, vous savez que l'IUT, on passe du diplôme universitaire de technologie qui était en 2 ans à un parcours en 3 ans qui est axé sur le développement de compétences. Les compétences, ça s'acquiert aussi par mimétisme sur des situations qui sont des situations réelles ou semi-réelles qui nécessitent l'échange et l'interaction avec autrui dans une situation bien particulière. Et donc ça, si on ne le fait qu'à distance, ce n'est pas le reflet de la réalité qu'il y a dans les entreprises ou dans les associations ou dans toutes les structures. Donc on est obligé de revenir à un retour de ce type-là. Mon collègue en face disait que les laboratoires de cuisine restaient ouverts pour qu'ils puissent apprendre les gestes, mais c'est également vrai sur l'université. On privilégie le présentiel sur les pratiques qui sont les mises en situation pour l'acquisition de compétences. C'est un retour nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Périne, pour Sciences Po, c'est pareil ou... Moi, je pense que c'est effectivement un retour nécessaire, même si effectivement ça a permis de mettre en place des pratiques pédagogiques qui sont innovantes. Il reste quand même préférentiel de pouvoir réaccueillir l'ensemble de nos étudiants. Pour le cas de Sciences Po Bordeaux, mais ça marche aussi pour les universités, ça fait depuis octobre, si mes souvenirs sont bons, qu'on n'a pas revu tous nos étudiants sur site. Et c'est vrai qu'un fonctionnement d'un établissement d'enseignement supérieur sans étudiants, c'est vrai qu'on a vraiment très envie de revenir à une situation normalisée. Donc, d'où le tour de force quand même d'arriver malgré tout à boucler les cursus, parce que de l'extérieur ça paraît un peu improbable tout ça, de se dire que les campus sont pas vides, mais enfin que c'est compliqué quoi. Mais après on le doit aussi aux étudiants, donc c'est sûr que forcément c'était inconcevable que les étudiants souffrent davantage de la situation sanitaire, donc c'est sûr qu'on a tout mis en œuvre pour que leur année puisse se faire. Céline, on en parlait justement tout à l'heure à l'université, c'est vrai que ce côté autonomie peut faire peur, encore plus justement avec le distanciel, comment vous gérez ça? C'est aussi important de dire que même à l'université, avec une idée de cadre un peu moins présente, il y a quand même un suivi. Alors, il y a un suivi. Alors, par rapport à cette adaptation, évidemment, l'université aussi a été obligée d'adapter ses pratiques et ses enseignements, ses modes d'enseignement. Quoi qu'il en soit, on a cherché quand même à sauvegarder le plus possible la présence des étudiants. Enfin, moi, personnellement, je suis enseignante en santé aussi. Et on a absolument gardé les étudiants présents pour tout ce qui est travaux pratiques, acquisition de gestes, etc. Pour les enseignements dirigés, c'est-à-dire les petits groupes où on fait appel à la réflexion, il y a vraiment que le cours dit magistral qu'on a laissé complètement en distanciel, et il se peut qu'on garde des solutions un peu hybrides d'ailleurs pour l'avenir, comme vous le disiez. Pour ce qui concerne l'aide aux étudiants et la présence, nous par contre, notre service, nous avons absolument gardé du présentiel, c'est-à-dire qu'on était pendant très longtemps le seul service de l'établissement où nos conseillers en orientation et en insertion professionnelle étaient joignables sur site et sur rendez-vous pendant toute la période, avec des horaires précis, de façon à aider les étudiants qui en avaient besoin, soit pour une orientation, soit pour une réorientation, soit voilà. Alors oui, on accompagne les étudiants tout au long de leur cursus, puisque vous savez qu'il y a eu une grande réforme de la licence qui est intervenue et qui vise justement à professionnaliser autant que possible les étudiants, à leur donner à la fois du fondamental, mais également de l'ouverture, à casser un peu les rythmes. Vous savez, on était resté sur Bac plus 3, donc en 3 ans une licence. Aujourd'hui, on peut même permettre à des étudiants d'avoir une licence en 2 ans s'ils s'en sentent capables, ou en 4 ans s'ils le nécessitent. On a mis aussi en place des dispositifs dits de remédiation, vous savez, pour les étudiants qui auraient peut-être des manques de niveau quand ils arrivent, où on peut leur permettre
d'acquérir ce qui leur manque, d'approfondir certains points, etc. Donc oui, on a toute une série de dispositifs qui existent pour accompagner l'étudiant dans sa formation. Et puis nous avons aussi un dispositif qui est très apprécié, qui est le tutorat. Mmh. On a énormément d'étudiants qui sont engagés dans cette voie du tutorat, c'est-à-dire qu'ils sont là pour aider leurs jeunes collègues qui commencent. Hein. C'était quelque chose qui a toujours existé en santé, puisque moi je suis plutôt en santé, où les étudiants qui réussissaient le fameux concours de PACES aidaient les secondes années, enfin les PACES dès qu'ils étaient en seconde année. Eh bien, ce dispositif existe maintenant aussi bien en sciences humaines et sociales, il existe en sciences et technologies, il existe en droit. Voilà, on a beaucoup aussi cette aide de pair à pair. Alors, on a encore un peu de temps pour faire un dernier tour de table. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour vous, c'est des moments importants, hein, les prochaines semaines, j'imagine, les prochaines semaines. Alors, la semaine dernière, déjà, nos cagnes étaient en concours blanc. Donc, on les a encore 15 jours en classe avec nous, après quoi ils iront se préparer à passer leur concours. Et on les retrouvera un petit peu encore à la fin de l'année pour les aider à préparer leurs oraux. Donc, voilà à peu près le programme. Pour ces étudiants. Je voudrais rebondir sur ce que disait la collègue en face de moi. Voilà, je trouve ça très intéressant, l'idée du tutorat. Il existe aussi en prépa, puisque notre établissement est en cordée de la réussite. Et donc, on a vocation à favoriser l'arrivée d'un maximum de jeunes sur cette formation. Et donc, on accueille des troisièmes de Collège Issus de Politique de la Ville. On leur donne des méthodes, on les aide à mieux s'exprimer à l'oral. Et puis, ce dispositif accompagne après tout au long du lycée nos élèves, et ce sont des étudiants qui sont assez solidaires malgré un emploi du temps chargé pour prendre en charge de plus jeunes qu'eux et leur montrer sa voie là. C'est l'avantage aussi de cette période, c'est qu'on s'est réinventé, notamment au niveau de la solidarité entre pairs finalement. Quelle que soit la formation. Olivier, même question, on continue le tour de table, les prochaines semaines pour vous ? Eh bien, on continue, on ne s'arrête pas. On va continuer à préparer nos étudiants. Alors, il faut savoir que nos étudiants passent beaucoup de certifications en contrôle en cours de formation. Donc, ils sont déjà en train de commencer à se certifier. Et puis, l'examen démarre en mai pour certains. Et puis, nous espérons avoir encore cette année un beau taux de réussite. Voilà. On continue pour les Cassandre. Pour ce qui concerne les campus connectés, donc pour les sites qui sont déjà ouverts, ça va être jusqu'à la fin d'année d'accompagner les étudiants vers leurs examens ou leurs épreuves en contrôle terminal. Pour les sites qui viennent d'être tout juste labellisés, ce sera de préparer l'arrivée des futurs étudiants pour la rentrée prochaine. Périne, pas de vacances à Sciences Po tout de suite. Hein. Pas tout de suite, non. Alors nous, on vient de terminer le tour des lycées partenaires de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de notre programme de tutorat Je le peux parce que je le veux, donc financé en partie par la Nouvelle-Aquitaine et le rectorat. Et là, dans les semaines à venir, donc ça va être l'organisation des épreuves d'entrée. Donc en quatrième année, le 27 mars, donc la semaine prochaine. En troisième année, en mai, donc le 20 et le 21 mai. Et surtout l'organisation des épreuves orales d'admission pour l'entrée en première année, qui seront du 26 avril au 7 mai. Ça un calendrier bien chargé. Sous pression, là. Ah, c'est... voilà. Alors à l'IUT, c'est pour les deuxièmes années l'accompagnement sur les périodes de stage de fin de cursus. Pour les premières années, c'est un suivi beaucoup plus rapproché puisqu'on a une partie de nos étudiants qui seront à l'extérieur. Pour ce qui est du recrutement, en suivi de Parcoursup. Mais pour les enseignants, il y a quelque chose de supplémentaire cette année, c'est la mise en place des nouveaux programmes pour l'année prochaine, avec une nouvelle organisation et une nouvelle approche qui va être bâtie sur un cursus en 3 ans et non plus un cursus en 2 ans. Céline, le mot de la fin. Pour l'université, là, la période, c'est maintenant ce qu'on appelle la commission des vœux, c'est-à-dire qu'il va falloir examiner tous les dossiers Parcoursup. Pour le service d'orientation en particulier, maintenant, il faut qu'on accompagne l'insertion professionnelle, puisque nos étudiants ont besoin de chercher des stages, des choses comme ça. Et puis, nous allons aussi amorcer la campagne de candidature en master, puisque vous savez aussi que maintenant, un étudiant qui a un niveau Bac plus 3 candidate pour éventuellement rentrer en master, et que cette rentrée en M1 est devenue sélective.
perspective. Donc, nous avons encore une campagne de recrutement d'étudiants. Et donc, on peut aider les étudiants à préparer leur candidature. Voilà ce qui va occuper notre service d'orientation à l'université, en tout cas. Du pain sur la planche pour toutes et tous. Merci, en tous les cas. Merci, en tout cas, à toutes et à tous pour ces précisions sur l'orientation. Si jamais, chers étudiants, chers parents, vous avez des questions, vous le savez, en fin de journée, on répond à ces mêmes questions. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez poser ces questions en direct. Oui, mais on va les écouter quand même sur le plateau. Et ils répondent surtout. Le numéro va s'afficher sur votre écran, 05 57 57 73 73. N'hésitez pas à appeler notre standard pour justement poser vos questions auxquelles on répondra. Quant à nous, on se retrouve sur les coups de 10h30 pour une nouvelle émission. Pas de problème. Avec les jeunes qui parlent aux jeunes. À tout à l'heure.